une surprise pour cramer un max de gras sur la chaîne YouTube Move Your Fit. Salut, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que vous êtes en super forme. C'est le moment de prendre soin de vous. Ici, on a un joli soleil. J'espère que chez vous aussi, vous vous sentez bien, que vous prenez bien la lumière. D'ailleurs, pensez à sortir chaque jour, vous aérer, même s'il ne fait pas beau. Là, on va faire du sport, on va cramer un max de gras. Hit, surprise, donc aucune répétition de mouvement. On va faire 30 secondes d'un mouvement, 30 secondes de repos, puis après, on passe à un autre mouvement, etc. Et vous ne revoyez plus le mouvement que l'on a fait avant. Ça va être cool, vous n'avez pas à réfléchir. On va faire un petit échauffement de quelques minutes et ensuite, on va partir sur un vrai format HIIT sur 18 minutes, donc 30 secondes d'exercice, 30 secondes de mouvement. Je vous invite à me rejoindre sur cet échauffement. Basket, brassière, bouteille d'eau à portée de main pour vous hydrater. Et puis, si vous ne connaissez pas, que vous voulez vous transformer, perdre du poids, reprendre votre santé en main, je vous invite à cliquer dans la description de cette vidéo pour télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ok, ils sont gratuits, vous allez les recevoir par mail. D'accord? N'oubliez pas de faire ça, hein? Et puis à la fin de la séance aussi, écrivez-moi un petit commentaire. Vous me posez une question sur l'alimentation, vous me demandez un truc sur l'entraînement. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour vous coacher. Ok? Allez, c'est parti. Petit échauffement sur place, donc vous trottinez sur place pour démarrer cette séance. Si vous pouvez courir, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez en levant les genoux à hauteur de hanche. Comme ça, ça va vous servir voilà, d'échauffement, bien activer son cœur, ses articulations, ses muscles, faire monter la température du corps. Voilà, c'est vraiment ça le but d'un échauffement. Donc on peut trottiner sur place. Voilà, c'est vous qui voyez, hein. Vous choisissez votre intensité. Moi, je vous propose le mouvement et vous, vous décidez véritablement l'intensité. Donc, les sauts, pas les sauts, ça, c'est vous qui voyez. Ok, allez, on va faire un petit échauffement. Pour l'instant, je ne lance pas le chrono. Et ensuite, quand je vais lancer le chronomètre, il faudra se donner à fond véritablement pendant 30 secondes. D'accord? Voilà, donc là, c'est vraiment les mouvements d'échauffement. Hein. Ok, donc là, on lève les bras. Voilà, ça va ça? Allez, faites des cercles de bras. Tout ça fait pour s'échauffer. Voilà. On va resserrer un petit peu les pieds. On va faire les squats un petit peu plus serrés. Bon, pas trop serrés, hein, largeur épaule au niveau des pieds. On écarte bien ses genoux. On ouvre la poitrine. On descend en squat. Vous allez me dire, la respiration, c'est comment? Ben, vous respirez en fait normalement. Vous respirez le plus normalement possible, d'accord? On inspire, on expire. Voilà, exactement comme ça. Hop, on trottine à nouveau sur place. Voilà, on court tranquillement. Ça va ça? Faites un petit pendule. Si tu ne peux pas faire le pendule, bah, tu fais comme ça, tout simplement, sans sauter. Tout ce que je propose qui contient des sauts, si vous ne pouvez pas sauter, vous faites sans saut. Hein? En général, je n'oublie pas de vous proposer l'option. Mais dites-moi en commentaire, si jamais j'oublie de vous proposer l'option, je pourrais la proposer en commentaire. Ah, ça peut arriver que j'oublie. Hein. Mais bon, en général, j'essaie quand même d'en donner pour tout le monde. Voilà, on trottine, on va faire une petite série hein, quand même au sol. Vous avez un petit tapis? Alors, j'ai pas de tapis là, mais vous pouvez prendre quelque chose pour mettre sous les genoux, par exemple, d'accord? On va faire une petite marche de l'ours. Donc, vous marchez sur les mains, voilà, et hop, vous reculez. Je vais mettre un petit peu comme ça, j'ai l'ombre qui commence à venir vers moi. Voilà, vous marchez, et hop, vous revenez, vous vous redressez. À chaque fois, il faut venir en planche. On arrive jusqu'en planche, comme ça, voilà, et on recule. Voilà, encore une fois. Très bien. Ok, super. Allez, on fait encore un petit trottinage. Un trottinage. Vous connaissez le trottinage? C'est pas la trottinette, c'est le trottinage. Ok, et on relâche. On respire, on boit une gorgée d'eau et ensuite je vais lancer le chrono. L'échauffement est terminé, d'accord? Échauffement terminé, on part pour 18 minutes d'exercice, donc 30 secondes d'exercice, 30 secondes de mouvement. Finalement, il n'y a que 9 minutes, hein, si vous calculez bien. Bah oui. Vous ne vous posez pas de questions, j'envoie les mouvements, vous suivez. Attention, c'est parti. Allez, hop, vous devez déjà entendre le bip. Et le premier exercice qu'on va faire, c'est la course talon-fesse. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein? Donc talon-fesse, vous avez vu, je mets les mains jusqu'aux fesses pour toucher les fesses avec les mains. Si vous ne pouvez pas sauter, hop, vous faites sans saut tout simplement. D'accord? Donc sans saut, ça donne ça. Hop, je cherche vraiment à toucher
les fesses. Vous allez me dire, ah, mais ça me gêne, j'ai le gras derrière les cuisses, j'ai le gras aux fesses. C'est pas grave, tu montes le plus vite, quand même, le plus vite possible et le plus grand possible, d'accord? Si tu peux faire ça, tu fais ça. Hein. Ok? Allez. Basta, c'est tout. 30 secondes de récupération. Donc c'est important de vous donner à fond dès les premières secondes, parce que 30 secondes, ça passe vite. Et que si vous ne vous donnez pas à fond, bah vous risquez de que ce soit trop peu efficace. Il faut vraiment être essoufflé à la fin de vos séries, même pendant la série. D'accord? Ok? Prochain exercice, on va faire ça, regardez. On va faire une grande fente vers l'extérieur et on va ramener pieds joints. D'accord? À chaque fois, il faut ramener pieds joints. On va sur le côté, voilà, très bien. Et on revient ici, pieds joints. Vous ouvrez grand, vous gardez le talon posé au sol. Le talon reste posé au sol. Voilà, il faut poser le pied en entier à chaque fois au sol. Et poussez vos fesses vers l'arrière et le genou vers l'extérieur. Tes fesses vers l'arrière, le genou vers l'extérieur. Voilà, c'est bien. On travaille les fesses, on travaille l'intérieur des cuisses. Ouais, même le dessus aussi un peu. Ok. Serre le ventre, grandis-toi. Voilà, très bien. Hop. C'est tout, ça va? Bon, alors il y a des mouvements qui essoufflent plus ou moins. Là, on était sur un mouvement de renforcement musculaire. Même si ça fait activer beaucoup de muscles et que ça essouffle, ça va moins essouffler que quand on va faire des mouvements plus sautés, hein, plus explosifs. Là, le prochain mouvement, ce qu'on va faire, c'est on va faire un pas, un saut, un pas et un saut. Alors, si tu ne peux pas sauter, tu lèves les talons et tu lèves les bras le plus haut possible. D'accord? On y va ensemble? Allez, le chrono, il est reparti. Hop! Tu fais un pas, un saut. Voilà, c'est ça. Un pas, un saut, c'est bien. Très très bien. Ne te cale pas sur mon rythme, hein, parce que c'est pas le tien. Cale-toi sur ton rythme. Tu peux aller plus vite, tu peux aller plus lentement, tu peux faire sans sauter. Voilà, va à ton rythme à toi. Ça peut être comme ça. Hein. Et c'est ok, d'accord? Tu peux pas lever les bras, t'as mal aux épaules, bah, tu lèves jusqu'ici. Et c'est d'accord. C'est très très bien. Le principal, c'est que tu fasses ta séance jusqu'au bout. Ok, c'est tout. Bien. Ça va ça? Alors quand t'as soif, tu bois. Pas la peine d'attendre la fin de l'entraînement pour boire. T'as soif, tu bois, ok? Ça va ça? Prochain exercice, on va prendre son petit tapis, ou sa serviette, son petit coussin. On va mettre ça sous les genoux. On va faire une petite série de pompes. D'accord? Sous les genoux, on écarte les mains, un peu plus large que les épaules, et on descend la poitrine vers le sol. Poitrine vers le sol, hop, on remonte. Rentre bien les fesses. Mais pas les fesses en l'air, pas de fesses en l'air. Voilà, tu inspires en descendant, tu souffles en montant. Là-dessus, tu peux régler une petite respiration éventuellement. Voilà, on y va, on y va. C'est trop dur, bah, rapproche les genoux. Rapproche les genoux si c'est trop dur, tu peux faire comme ça. D'accord? Trop facile, bah, mets-toi sur les pieds. Toi sur les pieds, tu adaptes. Il y en a pour tout le monde. Ok. Allez, debout. Bah oui, on peut faire plus facile, on peut faire plus dur aussi. Ne sous-estimez pas votre potentiel, vous savez, apprendre à faire des pompes, dans la progression, ça vient rapidement si vous êtes régulier. Vous allez me dire, ah oui, c'est vrai, je voulais absolument savoir faire des pompes. Pourquoi faire? Se sentir plus fort. Allez, prochain mouvement, on va faire un truc comme ça. Hop, des kicks là, hop, en ouverture. Voilà, vous ramenez pieds joints, vous levez la jambe. Serrez le ventre ici, vous pouvez mettre les mains à la taille ou les bras tendus ici, voilà. Et vous montez jambes tendues, vous ne faites pas le coup de pied comme ça. Pas de développé, vous montez direct tendu. Voilà, il faut que tu serres la cuisse. Serre la cuisse, c'est bien ça. Ça, c'est super. Respire, serre les abdos, grandis-toi. Envoie-moi du smile, ça c'est bien. Voilà, pas la peine de lever la jambe très haut, non. Fais mouvement. Top, c'est tout. Marche, récupère. Très, très bien. Très, très bien. On retourne au sol. On va se mettre sur le ventre cette fois. Sur le ventre, on va travailler les lombaires ici. Et sur le ventre, on va relever le buste. Ok? On y va ensemble dans 8 secondes. Je te montre le mouvement, regarde. Il faudra que tu sois ici allongé sur le ventre. Tu vas relever ici. Hop, c'est parti. Tu relèves. Hop. Je mets dans le sens. J'ai l'ombre vraiment qui arrive sur moi. Hop. Tu gardes les pointes de pied au sol. Et tu relèves
la poitrine. Inspire, expire. Ne cherche pas à aller trop dans l'intensité, là c'est un mouvement qu'il faut quand même réaliser lentement. Et tu relâches, hop. Debout. Debout, debout, debout. Ça va? Tranquillou, ouais. C'est bien ce que tu fais, c'est très très bien. On continue ensemble. Je vais me rapprocher un peu. Prochain mouvement, il va être sauté. On va lever les genoux, d'accord? Regarde, viens avec moi. Je t'emmène, je t'emmène, je t'emmène. Prends un peu plus par là. Je t'emmène avec moi. On est là. On retourne au soleil. Monte les genoux. Tu les montes le plus vite, le plus haut possible. C'est trop fort, ça? Bah, fais ça plutôt. Si c'est trop fort, tu fais là. Ok? Si c'est trop fort, tu fais là. Si c'est encore trop fort, bah, tu sautilles plus du tout. Mais tu montes les genoux. Ok? Encore, 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 encore. Hop. Si tu sens que tu peux y retourner, bah tu retournes. Si tu sens que tu peux retourner plus fort, bah vas-y. Hop. Plus fort encore? Mais vas-y. Ok. Bravo. N'hésite pas à te tester de temps en temps. Parce que très souvent, on se sous-estime et on se sous-estime très fort. On imagine qu'on est capable que de ça. Que de faire minimum, que de faire plus facile. Et quand on essaye de faire un peu plus, on se surprend à finalement se dire « bah je l'ai fait et ça va en fait ». Donc, testez-vous. Vous allez vous surprendre. Croyez en vous. On fait un exercice pour travailler la taille. Mets les bras comme ça et tu tournes. Droite, gauche, droite, gauche. Voilà. Regarde mon bassin, il est fixe. Regarde mes jambes, elles bougent pas. Tu vois, je bouge que, je bouge pas que les bras, hein. Je bouge aussi les épaules. Voilà. C'est cette rotation du buste qui va te faire travailler les obliques. Rentre le ventre. Souffle, souffle, souffle. Ça, c'est bien. Encore. Encore, 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 encore. Ok, c'est tout. Très, très bien. Bravo. Prends une petite gorgée d'eau si tu as envie. On fait notre prochain exercice. On va faire les fentes. Les fentes arrière. Droite. Gauche. Ça va, ça? Ouais. Donc, il faut que tu recules vraiment loin la jambe. Que tu gardes le talon levé vers le plafond, d'accord? Et ici, mets ton poids du corps sur le talon avant. D'accord? On y va, t'alternes. Une fois droite, une fois gauche. Une fois droite, une fois gauche. Si c'est trop dur, descends pas trop bas. Si ça te fait mal au genou, descends moins bas. Si tu sens que ça va, tu peux donner plus d'intensité. Droite, gauche, en sautant. Ok, ça va ça? Encore, 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 encore. Hop, hop. Très bien. C'est toi qui vois. Hop. Ok. Bon, un coup, je vais chercher ma gourde, elle est derrière. Bois, bois. Tu fais les jumping jack avec moi? Il faut ouvrir, fermer. Efficace, simple. On y va. Ou ferme, ou ferme. Si tu sens que ton périnée t'abandonne, fais ça à la place. Par contre, si ton périnée t'abandonne et que tu commences à avoir des fuites urinaires quand tu fais les jumping jacks, inquiète-toi, c'est pas normal. Même si tu as plus de 40, 50, 60 ou que tu as eu des enfants, ça non, hein. Il faut. Tu peux faire le programme BP4S qui va te permettre de tonifier ton périnée et d'avoir le ventre plus plat. Mais si c'est insuffisant, il faudra encore aller chez le kiné, d'accord? On relâche. Le périnée qui n'est pas tonique, vous avez des fuites urinaires, ça c'est pas normal, il ne faut pas laisser, d'accord? Donc comme je vous ai dit, la plupart du temps de faire le programme BP4S, je vous le mets en description aussi, c'est suffisant contre les fuites urinaires et ça permet d'avoir le ventre plat. Vous travaillez transverse périnée. Si c'est insuffisant malgré ça, ça dure 4 semaines. Hein. Si ça c'est insuffisant, là il faut aller chez le kiné refaire des séances. Ça se refait à tout âge, hein, même si c'était il y a longtemps la grossesse, ok? Allez, ici on s'en va sur le double pendulum. Hop, hop, hop. Si tu ne peux pas faire double pendulum, je veux ça. Sur le côté grand. Ok? Grand. Sinon, c'est là. Hop,
Hop, garde toujours la jambe d'appui un peu pliée. Voilà. Respire. Très, très bien. Encore. Hop, hop, hop. Droite et gauche encore. Ok, on relâche. On respire. Ça va, ça? Ça va bien, ouais? Cool. On a fait les deux tiers de l'entraînement. Et vous allez voir que bientôt, ce sera l'heure d'aller à la douche. On va se mettre en appui sur les mains et sur les pieds. Et on va faire des petites planches obliques alternées. Donc, on appuie sur les mains. Voilà, les pieds serrent bien le ventre, serrent bien les abdominaux. Et on va ouvrir ici sur le côté en grand avec le bras. Voilà. Et tu laisses basculer tes pieds d'un côté puis de l'autre. Hop là. Tu ouvres en grand. Tu changes de côté. Voilà. Hop. Très bien. Expire à fond. Si c'est trop dur, tu poses le genou à chaque fois qu'il est en dessous et tu peux relever la jambe du dessus. Voilà, regarde, je te donne l'option plus facile. Stop. Debout. Allez, debout. Voilà. On ne reste pas au sol. Hein. On se relève. Très bien. Tu viens faire les Superman avec moi? Regarde, je donne la variante facile. Tu viens sur le côté, tu fais deux pas à droite, deux pas à gauche. Et plus dur, tu prends appui sur les deux pieds et tu atterris sur un seul pied. Tu pousses, hop, ok? Viens, on y va par là. On en fait deux. Un, deux, et tu reviens. Voilà. Tu prends appui sur les deux pieds, tu atterris sur un pied. Hop, hop. C'est trop dur? Bah, fais comme ça. Si c'est trop dur, tu fais comme ça. Ok? Et quand t'es prêt à nouveau, tu essayes. Ou pas, hein. Et puis on va voir la prochaine fois. Je serai la prochaine fois. Je vais mettre les bras, je mets les bras. Hop là. Un, deux. Ou alors un seul pour faire les Superman à l'ancienne. On relâche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Superman. Pour ceux qui me suivent depuis des années sur YouTube. Superman. Récupérez votre énergie et votre souffle. Ok, on va se mettre sur les mains, sur les pieds et on va ramener en squat. On va faire comme ça, regarde. Hop, et viens planche. Prêt? Go. Hop, lève les mains, main au sol, planche. Hop, super. Hop, hop. Si c'est trop dur pour toi, tu ramènes un pied après l'autre vers l'arrière et un pied après l'autre, voilà, et tu relèves les mains. Tu peux le faire sans sauter. D'accord? Et tu alternes les pieds. Une fois, tu mets avec le pied droit en arrière. Une fois, tu mets avec le pied gauche en premier. D'accord? Si tu peux le faire vite. Voilà, c'est très bien ici. Voilà. Serre bien tes abdos. Et c'est tout. Wouh! Bravo! Ça va? Allez, bois un coup. On saute à la corde à sauter? T'as pas de corde à sauter? Regarde, j'en donne une. Voilà, j'en ai une aussi. On saute à la corde à sauter. On fait les doubles, allez, on double. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais je peux pas sauter à la corde. Bah, tu presque sautes. Tu peux pas sauter à la corde, tu presque sautes. Tu vois, tu presque sautes, tu l'as. Hop. Ou alors tu sautes vraiment. Hop. Moi, je saute sur la corde. On relâche. Tu as vu, tu peux toujours adapter. Tu presque sautes ou tu sautes. Si tu es très essoufflé, chapeau bas, ça veut dire que tu te donnes à fond. Si tu n'es pas essoufflé, je te félicite pas, ça veut dire que tu as l'économie. Oui, mais Loïc, c'est trop facile. Non, tu peux monter la jambe, mais tu peux aller plus vite aussi. Hein. Ah, bravo à tous ceux qui respirent fort. Ça, c'est bien ça. Bon, je vous encourage aussi ceux qui ont un peu la flemme. Allez, venez vous rattraper sur les squats sautés. Allez, squats sautés. Voilà, si t'es pas assez essoufflé depuis le début de la séance, viens te rattraper ici. Monte, saute. Tu peux pas sauter parce que t'es déjà très essoufflé. Viens avec moi ici. Allez, 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 encore, encore, encore. Plus bas les fesses. Plus haut.
En bas les fesses, tout en haut. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Continue encore. Encore. Plein. Encore. 18 000. Comme dirait mon fils. Encore 18 000. C'est beaucoup quand même. En relâche. Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi maman de 3 enfants. J'ai un petit garçon de 9 ans et des petites jumelles de 3 ans et demi. Ouais. Vous aussi, vous avez des enfants? Dites-moi en commentaire. On va faire des petits pas chassés, regarde, on fait 1, 2, 3, tape derrière. Enfin, tape sur le côté. Hop, ok? 3, tape au sol. Et go. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 2, 3, hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Plus vite. Allez, descends. Encore, encore. Allez, descends, descends. C'est bien. Encore, encore, encore. Relâche. Dernier mouvement. On fait quoi en dernier? On fait quoi? Non, je ne vais pas vous faire faire les burpees. Tipping, vous voulez? Je vous ai entendu d'ici. Il y en a qui ont pensé très fort tipping. Il y en a qui ont pensé très fort tipping. Je l'ai reçu. Ok, on va faire le tipping. C'est quoi le tipping? Tu mets tes pieds comme ça, un peu plus large que les épaules. Il faut monter vite les genoux. Mais vite, 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 vite. Petit coco, c'est parti. Voilà, vite, 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 vite. Ça fait trembler de partout, je sais. Je sais. Même quand on n'a pas beaucoup de gras, on sent quand même trembler le peu qu'il y a. Donc on a tous même cette sensation de blot, 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 blot de partout. Ok? Allez-y. Hop, encore, 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 encore. Respire, monte plus haut. Monte plus haut les genoux. Voilà. Encore, 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 encore. Serre le ventre. Plus haut les genoux. Go, go, go. Et relâche. Wouh! Il check. Viens. Viens me voir. N'éteins pas l'écran. Check. Check. On fait 2-3 étirements. J'allais dire 1, mais non, on va faire 2-3. Ok, on s'étire là. Grandis. Voilà, reprends ton souffle. Reprends ton souffle. Encore. Encore une fois. Grandis, inspire. Et souffle, relâche. Ok. Attrape le pied. Là, ce que vous venez de faire, c'est une très bonne action pour votre corps et j'en ai besoin tous les jours de bouger. Ok, offrez-lui ça. Je sais que vous avez en tête un objectif esthétique. Perdre le ventre, perdre des cuisses, vous tonifier quelque part. Mais pensez aussi santé. Parce que votre corps, il est fait pour bouger. Et que quand vous faites du sport, vous vous offrez de la longévité. Exactement. Et du bien-être au quotidien. Hein? N'oubliez pas que la vie, c'est pas une destination, c'est un chemin. Alors faisons-le en forme et en bonne santé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Salut, salut.